namana ma nama nama namaniya maniya maniya man. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va visiter Ribat Sousse, hein, qui est dans la médina de Sousse. On ne peut pas le rater, hein, quand par exemple, on est près de la médina dans la place Farid Hached, on le voit de loin. Donc voilà, donc en fait, la médina de Sousse, elle est classée au patrimoine de l'humanité. Hein. Ce monument fait partie du patrimoine aussi, je pense, hein, si je ne dis pas de bêtises. Alors, l'UNESCO reconnaît que les Ribat de Sousse est un des plus beaux et des mieux conservés en Afrique. Enfin, c'est ce que je sais. Quoi. Alors, en visitant ce lieu, à quoi vous pouvez vous attendre? En fait, vous trouverez aussi quelques explications sur le monument. Mais surtout, moi j'ai fait la visite, c'est surtout la vue panoramique de la tour en haut qui donne quelque chose à ce lieu, quoi. Parce que, en fait, dans le Riba, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les murs à raser. Et il n'y a plus de vie, il n'y a plus de manuscrits, il n'y a plus d'histoire, quoi, à part le bâtiment. Et donc, c'est surtout à la fin de la vidéo que vous allez voir le panorama que j'ai fait avec ma caméra sur la ville, quoi. Mais sinon, je vais vous raconter l'histoire. Alors, le Riba fait partie d'une chaîne d'ouvrages similaires, hein, le long des côtes africaines. Alors, c'était surtout pour surveiller la mer en vue d'être préparé contre les ennemis. Alors, la forteresse était souvent un lieu idéal de refuge pour les pèlerins et pour les populations en cas d'attaque. En 827, le Riba servit de base de départ pour la conquête de la Sicile par Assad ibn el-Furat. La construction du Riba remonte au 8e siècle. Donc elle affiche un style architectural inspiré par les Byzantins. À l'entrée, vous trouvez des colonnes de style corinthien. On découvre aussi la grande cour intérieure. L'architecture est sobre, voire même austère, avec des petites cellules réparties autour de la cour. Le Riba de Sousse, c'est un plan carré de 36 mètres de côté, au mur bâti en pierre surmonté de créneaux et doté de tours à chaque angle. Seule la tour sud-est est carrée, sur laquelle s'élève un très beau minaret d'inspiration abbasside. Au centre de chaque courtine, une demi-tour semi-circulaire renforce les vigies, d'où l'on pouvait transmettre des signaux à monastir. Donc ça en fait un monument de très grande valeur au sud, et ça prenait la place à l'entrée. Alors, la tour, elle a été ajoutée à la forteresse, et bâtie sous le règne de l'émir Aglabi de Ziyadat Allah Ier. Alors, la tour est en forme de cheminée, elle est de 27 mètres de hauteur et donc elle permettait donc, aux soldats et prieurs de ce fort de surveiller la mer et la pays en cas de besoin et donc pouvait communiquer avec, comme vous avez dit, avec les voisins. L'aile nord et donc l'aile est ont été refaites. Le rez-de-chaussée constitué de 33 cellules exiguës couvertes en voûte de berceau fait en bois long. Alors, on accède au premier étage par un escalier, hein, donc vous allez voir ça dans la vidéo, qui débouche sur une allée entourant des cellules de tous les côtés, mis à part les suites du Riba, qui était réservée à la salle de prière et qui abrite une petite mosquée. Moi, j'ai pas vu de mosquée, mais bon, c'est ce qu'on dit. Alors, celle-ci est constituée de 11 nerfs et de 2 travées. Elle est de forme large, plus profonde, bien couverte et de voûte en berceau, dont les arcs en plein cintre reposent sur des piliers de moellons. Bon, moi je vous ai tout dit sur ce bâtiment et donc si vous aimez, vous aimez. Moi personnellement, j'étais à Monastir et là-bas ils ont un Riba qui est 10 fois mieux avec un musée et tout, qui est plus grand. Donc c'est juste mon avis personnel, hein. Donc vous avez écouté tout ce que je vous ai dit et que vous n'êtes pas endormi, donc ça va bien jusque là. Si vous voulez vous visiter un monument majestueux, il y a un monastir, son Riba qui est là-bas et qui est vraiment magnifique et qui est plus grand et qui est mieux avancé avec un musée à l'intérieur, avec des belles collections de parchemins turcs et tout ça. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser avec la musique et je vous dis à bientôt, hein. Ciao. Yeah!
يلي نسيتك مشني طاني غير مساني وارحم قلبي رمحك ما فيش ناحي Yeah.